Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. Nous allons enfin prendre la forteresse de l'ennemi. Hop. Et on se déplace jusqu'au départ de la mission. Encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu, je suis un petit peu déçu que ce soit justement que des missions. Par contre, si tu commences à passer à travers la matière plutôt que de t'accrocher, on va pas être copains, quoi. Et en vrai, là, t'es en train de crever, ouais, effectivement. Tyrolienne. Ah. Allez. Ok. On est bon. Hop là. C'est parti! Bon, si t'élimines le chef suprême, le fort est à toi. Alors, qui tu comptes emmener à part? Ah, j'ai du monde à emmener, justement, tu as tout à fait raison. Amélioration de siège. Affecté. Affectation de partir. Alors, Pug le déchiqueteur. Norouk le déchaîné! Il est stylé. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, mais ça me coûte de le. Ouais, pour l'instant, ça m'intéresse pas de payer des choses, je l'ai fait pour toi. Armée de défenseurs, armée de sauvages, armée de chasseurs. Oh, quoi qu'on va en prendre quelques-unes. On va en mettre plusieurs personnes sur le truc. Ah, le roi des fous. Le roi des fous. Il faut mettre le roi des fous avec nous. C'est déverrouillé avec Talion au niveau 25. Oh, bon. Bête de siège toxique, bête de siège maudite, bête de siège ardente. D'accord, boule de feu. Ok. Boule de poison, ok, et donc du coup là, ça donne obscur et accablant, ouh, comme mon âme. Vendu. Armée de chasseurs, d'accord, armée est soutenue par des chasseurs équipés de lances dentelées qui sont particulièrement efficaces contre les bêtes. L'armée en attaque est soutenue par des défenseurs, des fantassins lourds munis de boucliers qui peuvent s'emparer plus rapidement des points cruciaux. L'armée en attaque est soutenue par des sauvages, une troupe d'assaut munie de haches. Je prends des défenseurs. Vendu! Commençons l'assaut, chers amis, commençons l'assaut. Soyons fous, un petit peu. Bon, c'est pas une superbe base. Ah! C'est celle qu'on voit dans toutes les démos. J'ai une belle armée quand même, hein. Je suis content. Yo! What's up, bro? Il va sortir de la petite porte là-bas? Ouais, d'accord, ok. Fais attention à la marche, ça serait con. Ah oui, la belle est bien deux têtes. Il a deux têtes ou il porte quelqu'un? J'ai un doute. Si à moi, il porte le père, son frère dans son dos? Tu sais qu'il y a des gens qui hurlent, toi tu pourrais parler plus fort. Je m'occupe du chef suprême. Concentre-toi sur les défenseurs. Tu sais quoi, t'auras le droit. T'auras le droit à la base. Ah, j'aurais dit pour le seigneur de lumière. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Capturer les points cruciaux. Point A, tu es à moi. Ou alors, je vais aller m'occuper des archers d'abord. Salut. On va sauver nos hommes du mieux que nous le pouvons. Coucou. Ton pote n'a rien vu par contre, hein. Coucou. Ok, nos hommes sont donc un peu plus saufs. Ils sont déjà rentrés en train de capturer le point. Tu te fous de moi? À l'assaut. Boum. Bonjour.
Hop là, j'aurais dû faire une brutalisation. Capture. Point capturé, première porte. Stylé. C'est qu'ils sont du bon matos. Je vais peut-être me prendre une épée. Il me faut un nouveau cure-dent. Il est génial. Je t'adore. Pour l'heure, nous devons prendre le fort. Je t'aime. Ça marche, chef. Peux pas te... Je vais y aller à coup de dent, mais qu'il est con. Ce qui est bien, c'est que ça me recharge complètement. Et je suis en train de faire le petit chemin, là, mon petit chemin. Par contre, vous êtes un peu trop lent, les mecs, du coup, là. Voilà, j'ai pas réussi à charger mon truc entièrement. Bouh. Coalition ! Il faut quand même avoir un minimum de culture. Déséquilibré. Mais c'est toi, les équilibrés ! Salut ! Cassez-vous! Ce point est à moi! Non. Access denied. Access denied. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Petit détail qu'on remarquera, c'est que je n'ai pas gardé la rage elfique de mon entrée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'ai un pote qui est pas en forme. Bon, t'es en dehors du point, mais ce n'est pas grave. J'ai un pote qui n'est pas en forme à l'arrière. Vous avez remarqué? Il était ensanglanté. Quand celui-ci sera à toi, il te faudra un suzerain. Je te propose ma compagnie. Un suzerain. Ah, il s'est marqué chef suprême. Bah écoute, tu mérites ta place. Son potentiel est presque illimité. Bien, je vais aller liquider le chef suprême pour... Mais non. En tuant le chef suprême, on enverra un message dans toute la région. Un message qui viendra de moi. Ça marche. Toc toc. Boum. Ah non, je m'attendais à un gros blam. Mais faites non. On ouvre la porte dans la tranquillité et la plus... Ah, le pan. Enfin, pas le pan, justement, le plaid. Voilà, j'ai oublié de mettre mon plaid. Voilà. Hop. Mon plaid à la talion. Cette... Bonjour. Quelle tête tu veux que je te coupe? Désormais au Seigneur de Lumière. Ah, j'entends rien avec ce truc. Ragbag! Je savais que je la connaissais, cette voix. Ratbag. Ratbag, pardon. Je dis rag. J'ai des choses à te raconter, mais par où je commence? Par ta mort, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Quand le marteau m'a frappé? Rien de plus qu'une petite migraine. Si tu veux tuer un Uruk, tu dois lui trancher la tête. Ça marche à tous les coups. Bon. Ce qui est cool, c'est qu'il a son armure de fin de jeu du précédent. Oh, ça marche à tous les coups, Ratbag. Tu veux une démonstration? Oui. Bienvenue. L'humain est un ami. Mais l'ologue, surveille-le. Empêche-le de faire quoi que ce soit de suspect, comme me tuer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Non, je vais pas laisser des la forteresse à Ratbag. Capturer, enfin, esclavagiste, plus deux cannibales et un nécromancien. De braves gens, ils ont eu cet ologue. Oh, salement amoché. On partageait une cage jusqu'à ce que moi, je nous fasse évader. Là, l'ologue bondit, ça gicle dans tous les sens, et nous voilà. Hein? Pas comme cochon. Muranam Kirinu Rahanuk. Ah, oui! Il faut que je leur explique pour le fort, merci bien. C'est un peu long comme histoire. Vous voyez pourquoi j'aime pas trop Ratbag? Rôdeur a tué l'ancien chef suprême, maintenant c'est chez nous. Rôdeur? Oh, ouais, je lui ai donné ton nom. Quel honneur. Bon, les retrouvailles, le seul ami qui l'est, quoi. Mais le Seigneur de Lumière et moi, on vient vous dire que le fort est à nous. Seigneur? Ben, Seigneur de Lumière, fais donc. Tous les deux, on en a marre de jouer chef suprême. C'est pénible. Il faut nourrir ses partisans, entraîner ses partisans, tâcher de pas se faire tuer par ses partisans. Ouais, ouais, surtout ça qui doit l'emmerder. Vraiment la chrotte. Oh, bah tes soucis sont terminés. C'est moi, le nouveau chef suprême. Ah. Non,
Non, pas toi, n'importe qui sauf toi. Tout ce que tu voudras, Rodeur. Rodeur et moi, on s'en occupe. Rodeur, c'est qu'on s'y perd, hein, pas vrai? Enfin, bref, Bruce doit pas devenir chef suprême. Bruce est cool. Moi, je bosse pas pour ces deux-là, je te le dis, sans détour. Et Bruce, t'es cool. Eh ben, ça tombe bien, figure-toi. Parce qu'en ce moment, on ne recrute pas des... Ne fais pas attention à leur chamaillerie. Ils peuvent être utiles, mais il faut choisir soigneusement notre chef suprême. T'as peut-être pas... Je n'aurais pas dit mieux. Je suis... puissant... hargneux... Pote de log. Sans conteste. Ça n'a pas été un bon allié, Ratbag. Hein. Il nous a aidés, il nous a permis de gratter du temps, en fait. Je trouve. C'est tout. Notre combat fut rude, mais victorieux. Un nouveau pouvoir règne au Mordor. Vous, dans les jours prochains, nous livrerons d'autres batailles et prendrons d'autres forts. Mais dès aujourd'hui, le Mordor est à vous. Il appartient au Seigneur de Lumière. Bien, plante ton drapeau, t'as raison. Stylé, cela dit. Absolument stylé. Région conquise. Point d'aptitude obtenu. Vous avez conquis Nurnen. Ok, cool. Nommez le chef suprême. Parce que Ratbag est dans le tas. Goura, Moog, Grom, Ashgar. Ah, Ashgar n'est stylé. Pug, Norok, Boot, Gash, Norchkopique sanglant, Goura. Voilà. What? Je peux pas mettre... Quoi? Non! Non! Bon, bah écoute, on a déjà un roi. Chacun le roi des fous. Je voulais mettre... Burz, mais... Je n'ai pas pu. Je suis... vexé. Honnêtement. Maintenant, nous avons un pied dans le Mordor. Nous devrions renforcer nos défenses avant que Sauron ne tente de récupérer ce qu'il a perdu. Il reste aussi des forteresses à conquérir. Et le Palantir est... Oui, en parlant de choses à conquérir et de choses à détruire. Réfléchissons bien à notre prochain objectif. Tu veux bien me casser ça, s'il te plaît? Bah, c'était cassable il y a 2 secondes. Bon, c'est pas grave. Mais je suis déçu pour ce que je viens de faire à Burz, je trouve pas ça honnête. Honnêtement. Je ne trouve pas ça honnête. Ce qui est un petit peu stupide, mais... Mais vraiment, hein, je suis pas d'accord avec ce que je viens de faire, je trouve ça vraiment pute. Puis j'aime pas ne pas avoir le choix dans un jeu qui te dit que t'as le choix, quoi. Tu peux pas avoir que la moitié des choix, tu as absolument tous les choix. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Et voilà, donc là il va se passer quelque chose. Conquête. Ouais, je suis d'accord, d'autres forteresses restent. Il y a un truc que j'ai failli oublier de te dire. Maintenant que tu as mon fort, il va bien finir par se faire attaquer. Ça, c'est quelque chose, vu que tu l'as attaqué toi-même. Beau boulot, au passage. Le truc, c'est que rien t'oblige à rester en défense. T'as des éclaireurs qui peuvent repérer les forts ennemis pour que tu puisses les attaquer. D'accord. Et c'est ce qu'on dit. La meilleure attaque, c'est une bonne attaque. Non, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et t'en fais pas trop si jamais tu manques d'orques. S'il te faut des recrues, tu peux aller voir un globe qu'on appelle le chasseur de tête. Il t'enfilera. Oh, Shrek! J'ai oublié de remplir la gamelle de rôdeur en partant. Grognon si j'y retourne pas. J'arrive. Tourne la tête. Là, je pourrais tirer une flèche et personne ne le saurait. D'accord, conquête en ligne, d'accord, ok. Bon, pas intéressant pour le moment. On en fera peut-être en live, histoire de voir ce que ça rapporte. Hop là. On verra. Hop là. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être chez soi quand même?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans la région? Bonjour. Au niveau de l'arène, il y a quelque chose. Les fosses de combat. Chaque forteresse dispose d'un terrain d'entraînement. Mais rien n'est plus efficace que les fosses de combat pour mettre aux orques d'améliorer leur aptitude. Bruise en est l'espère incontesté. Bah pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, j'en ai déjà fait plusieurs des fosses de combat quand même, hein, mais... Mais bon, si ça peut lui montrer un combat d'orque-mon... C'est idéal pour éprouver la force de nos orques. C'est vrai. J'espère qu'il y aura une place pour nous. Ah, mais vous êtes pas tous des alliés? C'est nul. Oh. Donc il pensait que la région serait un peu plus cool. Non, non, je ne vais pas mourir, je vais juste faire une autre quête. Si ça ne vous dérange pas, merci, au revoir. Les fosses de combat, allons-y. Ah, les fosses de combat, tu sais, c'est bien plus qu'un endroit où on fait sauter des têtes. Ouais? Même si j'avoue que je me lasserai jamais de cet aspect. Il est con. C'est aussi là que tu peux éprouver tes partisans, pour voir ce qu'ils valent face à un autre. Oh, Bruce versus Radbag. C'est un costaud à combattre, et si ton copain survit, il en sortira plus fort. Si casse sa pipe, bah, ça veut dire que le gars en face a du cran. Ça peut te faire une bonne recrue. Et peu importe le résultat, tes gars vont adorer le spectacle. J'adore. J'adore ce mec. Je voudrais surtout pas que tu crèves. Oh. Il l'a pratiquement one shot. Ah oui, niveau 5, niveau 21. T'es qui toi? J'ai pas vu ton nom. Norouk le déchaîné. D'accord. Ah, tu es Gund, un destructeur. Bah écoute, tu peux garder son casque. Non, t'en veux pas? Alors, c'était pas agréable? Un peu de grog. Un peu de grog, pas mal de rire, beaucoup de sang, et encore du grog. Ah, j'adore les fosses de combat. Tu m'étonnes, moi aussi j'adore ça. Ça tombe bien. Les fosses de combat, maintenant que vous contrôlez la région, vous pouvez envoyer vos partisans combattre dans les fosses. Les niveaux des partisans qui survivent augmentent, mais souvenez-vous que celui-ci ne peut jamais dépasser le vôtre. On tient 3 combats à difficulté croissante. Gagnez un combat, déverrouille le suivant. Les gagnez tous, déverrouille l'amélioration citadelle pour la forteresse de la région. Vous pouvez aussi amener 2 partisans à se battre l'un contre l'autre en leur donnant l'ordre de partir là. L'ordre à partir de meilleure armée. Cela crée une mission de fausse des combats pour les partisans. Waouh. Waouh. Citadelle. Parce qu'en faisant des choses... Oh. Mais attends, parce que moi, citadelle. Histoire qu'on en parle un petit peu. Récompense unique plus 1 point d'aptitude. Oh! Bah, je vais envoyer quelqu'un de balèze. T'es niveau combien? 19. Ah, bah voilà, on peut t'améliorer en termes de puissance. Ah, je peux pas te donner d'ordre. Ok. 11, alors toi tu vas te faire défoncer à mon avis, selon moi. Gâche le fidèle. Ah bah ça pourrait être lui, effectivement. Norouk, t'es déjà niveau 22, ça m'intéresse pas. Ashgarn, ah bah oui, Ashgarn. Ordre d'entraînement. Préliminaire entraînement en monture. What? Ah d'accord, ok, c'est pas ce que je voulais, je voudrais te donner. Je voudrais te dire d'aller. Comment je suis. Ordre. Merde. Faut simplement que j'aille sur le point. D'accord. Mais non, je ne veux pas, pour l'instant. J'irai les voir après. Voilà, allons voir la quéquette. Voilà. On a des gens à faire leveler. Donc, et surtout, j'ai envie de voir ce fameux citadelle. Sélectionner le partisan. Détail. Niveau 15. Je peux envoyer n'importe qui, donc. Vas-y, va t'amuser. Défonce-moi cet ennemi. J'ai pas vu du tout ses capacités. Hein. L'entraînement est terminé. Cette fois, c'est du sérieux. Le tueur de verre. T'as pas à faire un verre en face de toi. Hein. Encore une victime. Viens donc. Allez, règle-le. Waouh, ça fait mal. Faut tuer tous les cargos, mais... Non. Pauvre bête. Oh, tu mérites tellement de mourir. C'est moi qui aurai ta peau. Tu mérites tellement de mourir. Et en plus, il a des...
du catch, non? Ah non, je crois qu'il allait foncer dessus. What? Le mec, il a des flammes dans le bide. Un dragon, quoi. Fils de dragon. Dovahkiin. Enfant de dragon. Bouchez-vous les oreilles. Par contre, il va falloir que t'arrêtes de faire ça, parce que c'est nul à regarder, en fait. Surtout, faut que tu laisses mon pote te frapper, parce que là, ça va pas le faire. Je pense qu'il va falloir que je fasse plus attention sur les trois combats. Hein. Oh oui, vas-y, frappe, mon ami, frappe. C'est du costaud. Par contre, t'es un poil lent, mon pote. Hein. Je veux dire, il te colle 2-3 babes de temps en temps, mais... Mais non, mais arrête d'être hébété tout le temps. Ça y est. Le mec, il spam. Ça va être serré. Ça va être assez serré. Quand moi, je me prends 2-3 flèches, ça suffit à me tuer. Hein. Mais lui, apparemment, non. Allez, tire. Ah. Il passe à l'action. C'était une mauvaise idée. Et l'autre est full PV à chaque fois. Ah bah dis donc. Ah bah mon niveau 20 va perdre. Mon légendaire de niveau 20 va perdre. Parce que l'autre se régénère tout le temps. Et il fait que ça. Ah c'est stylé hein. Je suis déçu un peu sur les bords. Hein. Je peux passer? Non, parce que là c'est très très nul comme combat. Autant ça me dérange pas de perdre, autant c'est la méthode qui m'emmerde. Ok. Passe niveau 18, y'a pas de soucis. Ok. J'ai obtenu le point d'aptitude. Allez comprendre. Par contre, toi t'es à moi du coup, hein, sans vouloir te vexer. Le coup du. Je recte tous mes ennemis. Il faut que je boive moins de drogue. J'entends des choses. Ça coûte un peu. Tiens, bouffe. Ah bah ça t'a one shot. Ok, autant pour moi. Donc j'aurais mis un assassin en face, en fait ça aurait été gagné d'aussi sec quoi, c'est... Allez comprendre. Allez on y retourne. Bon bah faut se aller en moyen partisan, récompensionné plus simple à l'aptitude. Alors... Proie des bêtes, peut-être 20 sur 20 par l'attaque des bêtes, par l'attaque de bêtes. Peur des brûlures, dégâts par réaction. Okay, je vais trouver un mec qui est sur un canasson. Voilà. Mug la cor... non si c'est Mug la gorteille. Bon bah écoute, vas-y. Et normalement le combat va être rigolo. Ton heure a sonné. Allez, finissons-en au plus vite. Et t'as pas peur de mon... Ah c'est parce qu'il est à dos de... Fais-moi tomber qu'on se marre. Par contre, faudrait vraiment que t'apprennes à viser, Mug. Il loupe tous ses tirs. Il a buté mon car... Déjà ? Oh là 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 là, mais l'équipe de branquignoles que je me tape, quoi. En vrai. Ça y est. Ah, j'ai rien dit, excuse-moi, je t'ai insulté, j'aurais peut-être pas dû. Je peux te casser en deux. Il est plus rapide à charger que lui. Oh, par contre, il est moins précis, j'ai l'impression. Ouh, défends-toi. C'est bien. Ah oui, d'accord. Ok, why not. Pourquoi pas, après tout. Eh, hey, c'est la vie, on ne peut rien. Bon, l'aptitude obtenue. J'obtiens que ça, par contre. Hein. J'en obtiens un par... Ah non, j'en obtiens qu'un. Bon, on va prendre le dernier truc, hein, comme ça, voilà. On les aura tous. Ça me donne même pas de succès, bouh. Honte sur toi, jeu. Ok, du coup, pourquoi j'en ai deux d'affiche? Ça doit être le deuxième combat, j'imagine, là-bas. Guerrier, effectivement. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mortellement chétif, peut-être toi instantanément par le poison. Oh merde, j'ai perdu. Attention, je m'inflige d'importants dégâts. Bah je sais qui te mettre encore. Alors, est-ce que j'ai poison en même temps? Genre toi?
Est-ce que t'as des dagues de poison? Je ne sais plus. Lancer de couteau, lame mystique, nanana. Insensible aux exécutions, bon, tant pis. Le soutien sanglant, d'accord, c'est sympa comme nom aussi. Qu'est-ce que t'as? Arme enflammée, donc ça pourrait être rigolo plus tard. Arbalète, enragée par les brûlures. C'est un petit couillon ça. C'est con que j'ai perdu mon seul pote qui était... Ah, le pic sanglant. Il avait une meute de Caragor. Faut vraiment que je fasse attention à ce que j'ai, hein. Et toi, tu as tir explosif. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que quel que soit le... Niveau 16, ça reste un peu short. J'ai pas vu le niveau de l'autre. Je vais envoyer Gash, sur le principe. Je te vaincrai. Ah, 25, merde. Allez, vite, j'aimerais bien passer à la suite. Meurs, vermine. Tu vas te mettre par ici. Allez, mais... Regarde ça. Il attaque pas à distance. Ah bah si, mais il s'est chié dessus. Aïe. Mais non, mais arrête de te chier dessus. Ok, le combat est pratiquement fini. Tu peux... arrêter de danser et... Ah, ça y est. Oh bah la vache. Par contre, si, quand il lui en colle une, ça fait mal, hein. Ah, par contre, lui aussi, quand il lui en colle une, ça fait mal. Oh non. Oh, c'est triste. Je vais perdre tous mes potes sur un... Bien joué. Bien joué. Du coup, t'es à moi. Ah, il se casse. Non, je te prends. Pourquoi? Laisse tomber. T'es niveau 27, je pourrais pas t'emmener par contre. Va falloir que je te baisse le niveau. Ce qui, je l'admets, m'emmerde assez. Tu es misérable. Oh, le pauvre. Le pauvre, il prend tellement cher sur ce coup-là. 22. Et donc je peux le... Il est perturbé. Tous les coups sont permis. Et il n'est plus là. Ce n'est pas grave. J'ai quand même envie de voir ce que je peux faire avec ces autres ennemis. Je sais bien qu'il y a quelques niveaux de différence, mais quand même. Hop. Détail. Allons le voir. De quoi t'as peur ? Terreur de la furtivité. Nourriture pour bête. Les bêtes lui infligent d'importants dégâts. Ça, c'est bon à savoir. Deviens hébété en cas d'attaque de Caragor. Ah bah voilà, on sait, je sais exactement ce que je vais faire pour toi. Sélectionner le partisan. Il y en a un qui était dresseur. Voilà, Grom. Bah voilà, on va prendre Grom. Et vous allez voir que normalement, ça devrait résoudre un problème. Non, j'ai emmené des Caragor avec moi. Par contre, meurs pas avant d'avoir appelé des Caragor. Hein. On soit bien clair à ce sujet-là. D'ailleurs, ils sont où tes Caragor? Ça y est, il les a appelés, je crois. En tout cas, il est énervé, le mien. Sache. Mais ils sont où mes Caragor? Ils sont où mes Caragor? Mes Caragor? Je commence à avoir un doute sur mes. Où sont mes Caragor? Non, honnêtement. Si tu me touchotes derrière, je vais mal le prendre.
J'ai fait exprès de prendre un personnage qui était censé avoir des caragors avec lui. Et il n'y en a pas un seul qui est venu. Allez! Tu l'as brisé! Ça y est. Il n'y a pas un seul caragor qui est venu par contre. Je suis vraiment déçu de ce sujet là. Ça y est, au moins je l'ai battu. Commandant maudit. Ouais, je l'ai battu. Je pensais que je pouvais faire venir des caragors avec le dresseur, mais. Apparemment non. Allez, troisième combat. Troisième combat. Les champions, terreur des Caragors, terreur de la furtivité. On est d'accord. On est d'accord. Sélectionner le partisan. Ah bah c'était pas lui apparemment. Autant pour moi, je me suis juste complètement planté. Goura. Non plus. Rache. Si, pourtant ça devrait être par là. Arme enflammée, tir violent, non? Je me trompe en plus de zone. Attendez, normalement. Appel de gros. Appel un gros pour qu'il se batte. Oh la vache. C'est pas ça qui m'intéresse. Tueur de bête, ok. Ok, bon bah, tant pis. Mug. Tueur de bête. Où est-ce qu'il est censé être? Arme enflammée, ça j'ai déjà fait. Je suis certain d'en avoir un pourtant qui est censé le faire. Bombe fumigène épique. Bombe fumigène. Un expert en attaque surprise, ça peut être intéressant aussi ça. Hourra. Je suis. Ah, dresseur, c'était peut-être lui. Meute de Caragor. Voilà! C'est toi qu'on envoie. Enfin, meute de Caragor, tout est relatif. Hein. Deux, c'est pas vraiment une meute. Il est 35, par contre. Faut vraiment espérer que ce soit mortel. Il est que 11, le mien. Ah oui, ça va... Ah oui. Regardez-moi courir cela. Ah oui, ça pardonne pas. Le niveau 35 est recte par un niveau 11. C'est... Ok. Et donc tu grimpes niveau 1 million, non? Parce que pour le coup, en termes de réputation, t'es passé. Et donc, ma citadelle? Le pouvoir de la citadelle, il en est où? Je suis censé l'avoir fait. Améliore la citadelle pour... Bah, je l'ai fait. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Je suis quand même pas allé trop vite. Merde. T'as peur de quoi, toi? Vulnérable à la furtivité. Le poison lui inflige important des dégâts. Et les bêtes lui infligent. Bah, on va faire pareil. C'est pas mortel, mais. T'es passé niveau combien? 14. Ah, c'est un peu short. J'ai peur qu'il ne meure. Si. Alors, question. Ça reste le même. Ça reste le même. Allez, tant pis, on tente. On a des... Ah, mais il est tout seul. En plus, il est tout seul. J'ai deux bêtes avec moi. Donc, les bêtes devraient pouvoir... Il faut toujours que je combatte des moches. Des moches. Il est beau. Que quelqu'un chope ce gars. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça lui fait quand même vachement mal malgré tout. Oh non, il a buté un de mes Caragors. Non. Bien joué, défends tes bêtes. Allez, saute-lui dessus, Caragor. Allez. Non. T'es pas sérieux.
Allez! Finis-le! Mais non, c'est pute! Le Karagor qui regarde le combat sans rien faire! Oh, je suis déçu, je suis désolé, je suis excessivement déçu par ces combats parce que là ça ne va pas, c'est pas honnête. Surtout que je l'avais déjà fait ce combat. Vulnérable à la furtivité. Je vais envoyer le filou, c'est pas grave. Je vais tuer tous mes potes, c'est cool. Voilà, niveau 14, ça va être une boucherie monumentale. J'espère que tu as prévu ta tombe. Il a vachement l'air d'un filou. La ah oui, Kagebunshin. Ok, le combat est fini. Le combat est littéralement fini. Hein. Bon, bah c'est cool. Je l'avais fini le combat, mais... Et sinon tes attaques en traître, elles sont où? On en parle? Bon bah voilà, c'est fini. J'imagine qu'il aurait fallu que je choisisse assassin. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être qui après? On va bien voir. On les envoie tous à la mort, c'est pas grave. Fausse de combat, champion. Chauffeur, chauffeur. Déjà, ils ont plus de vulnérables aux exécutions. Vulnérables, ouais, mais va te faire foutre. Classe avancée, assassin. Voilà, génial. Peur des exécutions. Dégâts par attaque à distance. Ouais. Bah, je suis déçu, hein. Parce que je l'avais fait. C'est ça qui m'emmerde. Je l'ai fait, la quête. Tiens, c'est pas une exécution, ça? Et oh, mais merde! Putain de jeu, quoi. Je suis déçu, je suis extrêmement déçu, chers amis, parce que non seulement je l'ai fini, en plus, le jeu se moque un peu de moi. Et j'aime pas du tout quand c'est pas honnête. Insensible aux exécutions. Ah, c'est pas le bon, pardon, autant pour moi. Donc t'es à l'épreuve du gel. Mais bon, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Hop. Hop les bouffe celle-là. De mémoire. Ça, tu es pas complètement insensible. Ça non plus. Par contre tu me dis si tu sens rien de ce que je te fais. Hein. Voilà. Et bien sûr, celui-là il met 3 plombes forcément. Et sa fumée manque de me tuer quoi. Je commence à perdre foi là pour le coup dans ces combats. Voilà, t'es à moi. Enfin, t'es à moi, pas pour l'instant, mais ça va venir. Hop, voilà. Bon, on a perdu beaucoup de gens hein, dans cette histoire. Hein. Sachant que je suis censé avoir amélioré la tour. Hein. Non, honnêtement, je suis déçu. J'ai fait ce qu'il fallait faire, ça n'a pas été comptabilisé apparemment. Ou alors, peut-être que je passe le temps. Allez, dernière action de la partie, entre guillemets. On va simplement passer le temps. Je sais pas si je peux avancer dans le temps, voilà, parfait. On va voir si ça devient une citadelle ou pas. Mais jusque là...
nouveau capitaine inconnu, je m'en moque un petit peu. Et ma citadelle n'est pas devenue une citadelle, plus que ça, en fait. Bon. Je suis déçu. Ok. Bon, bah du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!